c'est aussi une gueule, ce sont pour la plupart des hommes blancs. Ce ne sont jamais des femmes. Ce sont jamais, il n'y a, pas non plus de mixité. On a un biais, rien que dans la création même chez nous, de nos. J'espère revenir là-dessus, parce que c'est des métiers en plus porteurs, et je ne comprends absolument pas pourquoi ce métier, la programmation, on l'a dit, le début du métier, qui a été créé quand même par des femmes, pourquoi cette population féminine a disparu. Enfin, moi j'ai une petite idée, hein. Mais bon, enfin, c'est un biais sur lequel il faut revenir. Sinon, oui, effectivement, Google Car et Apple Car, deux systèmes américains. On peut effectivement se poser la question, est-ce que demain ça va être des systèmes américains ou des systèmes chinois? Et les systèmes chinois sont extrêmement... Ah, on met la porte. Désolé. Mais les systèmes chinois sont extrêmement en avance. Notamment, on va probablement reparler sur les capacités de calcul du quantique, qui vont vraiment révolutionner l'informatique dans les 15 ans à venir. C'est le bug de l'an 2000, le passage à l'anneau, ça va beaucoup embaucher, donc c'est une bonne nouvelle. J'espère aussi de manière mixte. Et ça, là-dessus, sur le quantique, les Chinois ont 4 ans d'avance sur les Américains, qui ont une infinité d'années d'avance sur nous. Donc autant dire que là, on se prépare à avoir une invasion d'intelligence artificielle chinoise.